d'être camerounais quand on voit des comment le cinéma camerounais prend ses ailes. Ah, oui, hein. Il se développe énormément. Bonsoir, Kang Quintus. Kang Quintus, ou encore The Method Bonsoir. Actor, or Star Way, or No Way. There is something with you, bro. Ouais, c'est toujours un plaisir d'être ici. Oh, ah, ouais. C'est comment? C'est comment? On est là. Ah, j'ai peur. Hein. Non, c'est un ancien. Il est déjà passé ici combien de fois? Au moins deux fois. Je deux fois. Tu es passé ici deux fois déjà. Mais c'était avant Gagné. Ça, c'est la troisième fois. La deuxième. La deuxième? Non, la deuxième en tant qu'invité, mais tu es venu une fois avec une marque. Oui, oui, oui. Avec ah, oui, ah, d'accord. Oh, Kang Quintus. Il a la première question. J'ai la première question. Alors, la première question était initialement, pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas le premier rôle de Nganou? Mais on va la garder pour une autre fois. Et la véritable autre première question, c'est, tu es quand même, on va dire, tu es considéré aujourd'hui comme une figure emblématique de la réussite dans le cinéma camerounais et même africain grâce au film de Fisherman Dairy. Est-ce qu'en écrivant le film, est-ce qu'en produisant le film, est-ce qu'en sortant le film en salle et même sur Netflix, ou le répertoire lequel on t'a mis, tu t'imaginais que tu aurais autant de succès? Non, jamais. Jamais, mais c'est beaucoup de travail. Hein. Ça fait, je pense, 12 ans que je fais le film, que je suis dans le cinéma. C'est grâce à The Fisherman's Diary que je suis ici aujourd'hui. C'est parce que j'ai beaucoup travaillé. Ouais. J'ai beaucoup investi aussi. Hein, parce que bien sûr, c'est que important faisais, de le dire. Quand vous venez de voir, il y a le film que je faisais, que j'ai perdu tout mon argent. Oh. Mais it's about you never giving up. You know, I kept on doing it. You know, and I had the Fisherman's Diary, and then from there, I don't want to let it go anymore. I just need to keep going. C'est beau ça. Yeah. Producteur et acteur dans The Fisherman's Diary. Ça, il faut le faire. Hein? Right. Maybe when we received yesterday, Mr. Zach Orji, that was saying that the key of his success is, one of the key of his success is to be humble. Yes. Mm-hmm. You talk about work, investment. Do you describe yourself like someone that is humble? Yeah, I am a very humble person by nature. Apart from what a lot of people see on social media, people don't understand that. No, that's the honest truth. For those that are close to me, I'm very humble, but I'm very truthful. Okay. Non, very direct. Pour moi, A c'est A, B c'est B, C c'est C. Je suis comme ça, j'étais né comme ça. Donc, but in my real life, as a person, I'm very, very down to earth. I'm very humble. I respect a lot of people around me. And success doesn't move me. That's what a lot of people don't know. But money moves me. J'aime l'argent. Qui n'aime pas? Alors, avant The Fisherman's Diary, tu as fait, on a vu quelques extraits de tes premiers films, AK et Rejected, Reverse, Jason. Comment t'es-tu formé? I'm a self-studied actor. You know, I've never been to film school. Even growing up, I never saw myself being an actor. Je n'ai jamais rêvé dans ma vie d'être acteur? Oui, jamais. Tu as rêvé d'être quoi, juste pour savoir? Docteur. Ah bon? Je suis docteur, mais pas docteur, un docteur. Pas de médecine. Oui. Tu es docteur en comptabilité. Comptabilité, oui. Finance, voilà. Finance, oui. Ah. Ça alors. Mais comment tu continues à être acteur? C'est la passion ou quoi? Well, it's a coincidence. I've said this story a lot of times. I used to live in Belgium, and I was dating this girl. Yeah. We know the story. Yeah, I was dating this girl, and the other sister was a director. Oh. And then I stumbled into acting, I tried it, and yeah, I'm here today. Et là, ça t'a pris, quoi. Comme c'est ça. Ma vie maintenant, hein. C'est ma vie. C'est ta vie. Tu vis du cinéma. Tu as laissé les finances? Quoi? Tu as laissé la comptabilité? Non, non. Pas 100%, mais parce que j'ai le business à l'États-Unis, accounting firm. Et tu arrives à faire ça? Tu as ton propre compte dans les finances? Tu es ton propre patron dans les finances? Oui. Ah, c'est pour ça que tu as le temps de faire tout ce que tu fais là. Oui. Si tu travaillais, si tu étais employé pour quelqu'un, tu peux pas. Pour quelqu'un aux États-Unis, tu pouvais pas. Ouais, je pouvais pas. Ah, quand même. And what according to you has been the advantage for the development of your development in this industry? Well, for me, I think it's hard work. It's hard work. Moi, je dis quelqu'un, si tu me donnes 10 millions aujourd'hui, demain je veux 20 millions. Mais tout le monde veut. Maintenant, c'est comment faire? Il faut travailler dur, il faut travailler fort.
Parce que moi, je travaille. Des fois, on pense travailler dur et on perd tous les 10 millions. Oui, je sais, mais il faut continuer à travailler. Ah, d'accord. Aujourd'hui, tu vas être perdu, mais demain, tu vas gagner plus. Voilà. Donc, moi, je dois quand même te dire quelque chose. En fait, j'ai surpris des jeunes qui ont pour ambition de devenir producteurs et qui, si c'est quand même la production du cinéma, qui tenaient un discours du genre, ben, tiens, ces aînés arrivent, ils font de belles choses, mais ils sont accompagnés facilement par des multinationales ou par des grosses entreprises. Ben, on s'y prend comment déjà? Ça peut aider ces jeunes qui regardent. On s'y prend comment? Il faut deux déjà avoir un projet important, certes, mais on s'y prend comment pour être accompagné? Il faut d'abord regarder The Fisher's Minds Diary avec qui? Voilà. Déjà, il faut commencer comme ça. C'est parce qu'il y a eu le succès de The Fisher's Minds Diary que le deuxième, que maintenant Ganou est soutenu. Voilà. C'est pas, sauf si je me trompe. It is not industry that finance your project. Non. Fisher's Mandari, ce n'est pas. Il n'y a personne. Non, c'est moi qui avais financé. Même pour ces jeunes qui pensent parfois qu'on sort de nulle part et on arrive à trouver le financement partout et réaliser des choses. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais il faut commencer doucement. Ah, d'accord. Peut-être si tu as ton argent, ok, tu peux commencer là-bas. Oui. Mais nous, on a commencé doucement. Avec combien? Ton premier petit. Voilà. C'était combien le budget? Le budget, c'était, je pense, peut-être 10 000 euros. Donc, avec 2 000, tu vois? Le petit, c'est un million. Ça, c'est pas 1 million. Le petit, c'est relatif. Hein. Oui. Wow. C'est 1 million pratiquement. Mais, million. Mais le film là était. C'est petit pour les films. Oui, le film là n'était pas bon. Le son, le jeu d'acteur. Tout était pas bon. C'était pas bon. Voilà. So, to do a good film, you need to have a lot of money. Resources. We have enough of production with a small money. No, I would say resources. I don't want to say money because I can partner with you. Yeah. You are a good actor or a good director. I'm a good writer. You are a good, probably, maquillage. Mm-hmm. Yeah. And he's a good producer. Yeah. We can partner and do a film. And the film will still come out without money. Yeah. But at some point, you also need to pay for need transportation, unless you have to partner with a bus company too. Mm. You have to partner with a hotel because you have to pay all those things. C'est you ça. Have to feed people. Et tu peux avoir de l'argent et faire un mauvais film aussi. Voilà, bien sûr. Il te faut de l'argent. Alors, il faut dire quand même depuis des mois, on voit à travers les réseaux sociaux toute une très belle communication autour du film Ganou. Et on en parlait tout à l'heure en off pour célébrer et encourager tout le marketing qui est autour du film Ganou. De quoi parle le film déjà? Voilà. Mais d'abord, je veux dire félicitations à Stéphane. Oui, Stéphane Limo, le monsieur de Scoop. Ouais, c'est lui qui gère toute la communication de Grand Quintus Films. Ouais. Il est très fort. Nga nous parle de la violence domestique. C'est ce que voilà, violence conjugale. But that name Ganou, you chose the name because of the pop. De Nganou. Non, demande d'abord ce que ça veut dire. Non, c'est pas écrit de la même façon. Nganou n'a rien à faire avec Francis Nganou. Voilà. C'est vrai qu'il a dit. Rien de tout. Nganou, ça veut dire quelqu'un qui cherche les problèmes. C'est un et Sola. C'est comme ça. Oui, c'est quelqu'un qui cherche les problèmes, qui aime les problèmes. Ça parle de la violence domestique. Mais l'affiche donne l'impression de tout le contraire. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'actions dedans. Ah. Il y a aussi. On pense à un film de guerre. C'est ça, mais c'est de la guerre. C'est pas parce que c'est dans les foyers que c'est pas la guerre. C'est hein. La guerre. C'est la guerre. On peut les armes. Alors, comment as-tu pu toucher la star hollywoodienne Hakim K. Kass? Comment tu es arrivé c'était, là? Je suis quelqu'un. Si je veux quelque chose, je fais tout pour avoir ça. Le travail dur, je fais tout pour avoir ce que je veux. Donc, j'avais voyagé ici, j'ai quitté ici pour Hollywood, pour négocier avec le manager d'abord, l'agence d'abord, après ça le manager, après ça, on a finalisé. C'était pas facile, on a finalisé. Comment tu les as convaincus? Après tu nous dis. Money, bro. Non, je peux pas dire. Mais c'était beaucoup d'argent. Non, on ne veut pas savoir combien. C'est pas ça qui est important. On veut savoir comment tu les as. Tu peux avoir l'argent. Il dit non. Oui. Donc, je veux savoir avec quoi tu l'as convaincu. L'histoire, le scénario. Le scénario de Nganou est magnifique. Ouais. Pour moi, Nganou est plus belle que The Fisher's Mind Diary. Pour moi. Pour toi, oui. Ouais, pour moi. Parce que je pense que même mon prochain film, je veux que ça dépasse Nganou. Nganou aussi. Ouais, parce que dans la vie, il faut évoluer. Hein. Yes. Il faut. Talking about money, concerning your Cabrel qui a dit qu'il a touché 10 millions pour le film. Ah, well, Yves Cabrel. Lui, il a tout dit dehors. Non, la vérité, c'est que. On lui a payé ça, mais pas pour couper les cheveux. Oui, voilà, lui il a plutôt dit que pour couper ses cheveux. Ça tu l'as dit. Oui. Mais pour son rôle d'acteur,
S'il a 10 millions, on s'imagine que les autres acteurs principaux ont l'équivalent. Chacun négocie son contrat. Ce n'est pas. Ouais, mais c'est Cabré qui a annoncé pour lui. Hein. Ah voilà, mais, c'est mais, ça. Mais on paye tout le monde. Acteur, non. Pour 200 000, moi je joue tous les rôles. Hein. Non, mais bon, non, mais on va jouer. Parce que vraiment. Mais 10 millions, non, moi je suis acteur. Mais c'est pas. Mais moi, je peux t'affirmer que tu es le premier Camerounais à payer 10 millions pour un rôle. Non, c'est pas sûr. Les autres n'ont rien dit. Attention. Non. Personne ne dévoile son contrat. Non, mais on a quand même. Enfin. On travaille quand même et on a quand même touché pas mal de marketing dans le milieu. Non, c'est compliqué. Il y a des grands films camerounais de l'époque que tu peux pas imaginer combien on a donné. À l'époque. Mais quand je dis l'époque, c'est les années 2000. Je sais pas très loin. 2010. 10 millions, c'est énorme quand même. C'est rare. Mais si, il y a des grands films qui ont des acteurs touchés comme ça. C'est chacun qui négocie son contrat. C'est parce que tu t'arrêtes aux films d'aujourd'hui. Il y a des films même de M. Bassek Vacobio, par exemple. Qu'est-ce que. Alors, tu as pas de cachet pas mal. Mais 10 millions. C'est une manière de parler pour dire que depuis longtemps il y a quand même eu et la vérité c'est que Bassek c'est une seule réalisateur camerounais que son film est parti au Cannes jusqu'aujourd'hui c'est vrai oui donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail qu'on doit faire c'est vrai on doit beaucoup travailler parce que ça fait combien des années ça fait longtemps. Talking about work there is a lot of partnership between Cameroonian actors and Nigerian actors there are a lot coming are you not afraid by the fact that they come and one day the Cameroonian films will have success they will give them the paternity of that success bon peut-être en partie mais pas tout mais c'est vrai quand même que c'est possible for me I don't think so. I believe in collaboration. You know, we should collaborate with mutual respect. That's my point of view. You know, because I, for one, I have projects that they have sent to me from Sierra Leone. Right now, that we're talking about the process of shooting those films, you know, I have a project that I've received from Liberia. You understand? Mm-hmm. And I'm a Cameroonian. I'm not a Liberian. So if Liberians, they say, for example, if the Liberians say, we don't want Cameroonians to come and shoot in Liberia, it's not like that. But my point is this. Yeah. We need mutual collaboration with respect. So I don't think that a Nigerian person coming here to shoot a movie is a problem. No, but it's not support. It's about you coming to work. So you work, you're paid, and then you go back. Just like you come to work every day, you work, and you go back. But they are not like us because they have the success that we don't have. At this moment, we don't have the success Nigerian actor have. For me, success is subjective. You can, for me, every little step I make to me is a huge success. Parlons de développement, peut-être pas de succès. Oui, de développement. For me, I have, for me, if you ask me personally, as a filmmaker, I've not made it because I'm hungry. I'm hungry. I want to be on the Oscar stage one day and raise ça, c'est pour le Cameroun. You understand? Until you get there, you are not there yet. You understand? But it's about you believing in yourself. Anybody can do anything anywhere. I can go to America, do a film, and win an Oscars without necessarily shooting a movie in Cameroon if you are good. So to answer your question, I don't think it's a problem. Okay. But everybody should believe in themselves. Yeah. As Cameroon, we need to believe in Cameroon. We need to work for Cameroon. And we need to create our own stars. Our own Hollywood is here. Yeah. And we have created not Hollywood. The name was... No. Sincère, son mindset me plaît beaucoup. Il a toujours été... Alors, chacun de tes films s'inspire des problèmes liés à l'injustice sociale. Mm-hmm. On a vu que The Fisher's Mandari a eu aussi autant de succès et beaucoup de ONG et tout ça se sont sentis concernés, des fondations et tout ça, parce que ça traitait d'un sujet qui touche l'Afrique entière sur le problème de l'éducation de la jeune fille. Et là, on a un Ganou qui parle de violences conjugales, des violences dans les couples, les foyers. C'est des violences sur la femme ou des violences tout court? Non. C'est sur la femme, toujours. Sur la femme et la femme. Tu vois, tu es dans la même lignée. On veut comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Fisher's Mandari, c'était la jeune fille. Hein? Et maintenant, Ganou, c'est la jeune femme ou la femme. Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se passe? J'aime réaliser les histoires que tout le monde peut
se connecter avec. Ouais. Et les histoires internationales. Oui, internationales, parce que oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce que moi, je ne veux pas seulement faire les films pour les Camerounais. Je veux faire les films pour le monde entier. Mais ouais, la culture camerounaise, c'est ce qu'on va se exporter. Se ressent. Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est parce que les histoires comme ça, ça me touche personnellement. Même mon prochain film, ça parle de quelque chose. C'est une partie de ta vie, toutes ces petites... Non. Non, wow. Non. D'accord. Wow. Pas du tout. Mais c'est des sujets qui intéressent et qui interpellent. Qui interpellent. À l'échelle nationale qu'internationale, encore qu'au Cameroun et en Afrique actuellement, ça fait l'actualité. Et c'est l'actualité en plus. Ça continue à être d'actualité. C'est vraiment bizarre parce que ça fait des années qu'on en parle. Ouais. And we prefer from Ghana to Netflix. By God's grace. Oui, yes, yes. Moi, je pense que ça sera un peu évident quand même. Yeah. Ça, c'est un by peu God's évident. Grace. Parce que c'est, la même, si c'est déjà la même qualité. Le minimum. Fisher's Mandari. Attends, je vous dis la vérité. Hein. Oui. Si il y a une plateforme qui me donne plus d'argent, oui, je vais vendre ça. Ça doit, c'est pas obligé que ça doit partir. Ah, c'est toi, ça, c'est pour vrai. Pour moi, c'est sûr, vrai. Moi, je fais pas le film. C'est d'abord les standards. Hein. Nous, on a quoi au niveau mais est-ce qu'on a le standard pour entrer sur Netflix? Oui, il y en a. Non, c'est le standard. Il y a plusieurs films ici au Cameroun qui doivent entrer. Oui, qui devraient. On a tourné, je pense, 15 films l'année passée. Ouais, 2021, l'année passée, on a tourné 15 films. Non, 17 films. 17 films. Tu vois, pour moi, tous les films là doivent entrer. C'est ça. Pourquoi pas? C'est ça. Tu vois? Et des bons films. Mais pour moi, mon objectif, ce n'est pas seulement Netflix. Voilà, c'est plus l'argent. Loin. C'est l'argent. Parce c'est que l'argent. On qui paye payer, plus on voilà. Doit me payer parce que je dois payer mon prochain film. C'est ça. Et ça, c'est pour le Cameroun. Alors, c'est important de le dire. C'est avec l'argent que tu as gagné sur The Fisher's Mind Diary ou une bonne partie que tu es en train de faire, Ghanou. Oui. Il faut bien expliquer parce que des gens disent oui, il a trop d'argent. Ouais, non, aussi, la fondation, la fondation Kadi nous a soutenus. Oui, ça se voit sur tous les supports de Ghanou. On a vu. Hein. Et c'est bien de le dire, oui. Alors, qu'est-ce que tu souhaiterais que quelqu'un qui regarde Ghanou retienne? Qu'est-ce qu'il doit? C'est quoi le message que tu veux qu'il retienne? Ah, je ne veux pas parler de ça maintenant. Parce que tu vas trahir. Parce que moi, je suis une. Réalisateur qui est passionné, je ne sais pas comment on dit ça. Passionné. Oui, c'est passionné, c'est comme ça. Qui est passionné, parce que si vous commencez à parler de Ghanou, tu peux sortir. Bon, laissons Ghanou. Parle des violences conjugales. Oui. Qu'est-ce que tu, toi, en tant que homme Kankintus, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Let me say it in English. Yes. We saw it recently in Nigeria, the gospel artist that was. That died, and we hear rumors that it was because of domestic violence. We are seeing those things happening a lot, even in Cameroon, in our communities. And it's a message that we are passing to the people, the implications, the after effects of domestic violence. And that's something that has never been emphasized enough. We need to put more voices, you know, and cinema is a very important instrument to pass that message across. And in Ghanou, we have a very strong message in that film. I have the explanation of the film coming to you. You say that the domestic violence is a transmission from generation to generation. And that's in one, in Ghanou, we can see how to break the Yes, yes, but you are tapping me to give you more. Mais on a compris, dans tous les cas, même si on dit ça, on n'a pas tout le... On a envie de savoir comment. On n'a pas le comment. On a juste ce qui se passe, mais on n'a pas le comment. Donc c'est déjà pas mal, quoi. Ouais. Ah. Et c'est pour quand, alors? C'est tendu, hein, ce film. C'est pour quand, Ghanou? Oui, non, on travaille avec les partenaires maintenant pour annoncer les dates. Mais c'est bientôt ou... Oui, c'est bientôt. C'est bientôt. On va faire une projection à Yaoundé, Douala, Limbé ou Boya. C'est avant les vacances ou c'est après? Ça va. Ah, d'accord, super. Ah, d'ici mai alors. Voilà, d'ici le mois de mai. Ah, on attend. Il y a quelques personnes qui ont réagi sur la page. Félicia, elle dit soyez les bienvenus chez nous. Chez vous, question, pourquoi es-tu frais comme ça? J'aime tout ce que vous faites, bisoutement votre. C'est Félicia. Pourquoi tu es frais comme ça? Merci, coucou. Why are you so fresh? Il a compris, mais merci. Il y a Carole Poupée, c'est comment? Kankintus. C'est un film dédié à Francine Ghanou. Que signifie cette expression? Je pense qu'il a répondu tout à l'heure. Hein. Ouais. C'est pour parler d'un... Comment on appelle en patois les gens qui dérangent là? Les pacnieux personnes. Les pacnieux personnes comme ça. Là. C'est ça, non? Les pacnieux personnes. C'est les gens qui dérangent. Pas de problème.
En plus, et puis on a Émile Anthony Abende. Salut au grand Kankintus, juste pour féliciter son travail et lui demander de produire aussi une série jeune, telle que Elite. Ah, je connais. Pour permettre aux jeunes web humoristes de mieux se lancer dans le cinéma de façon plus professionnelle. Donc pour lui, quand tu prends comme tu as pris Cabrel dans ton film Ganou, ça permet à Cabrel de d'être plus professionnel. C'est ce qu'il veut dire. Donc il se dit que quand tu vas faire une série jeune, ça sera. Mais est-ce que c'est ça ton. Non, c'est pas ton. Mitouba, c'est le boss. Hein. C'est le boss des séries. Les séries, c'est le meilleur. Oui. Tu vois, mais je pense que c'est pas mon métier là-bas. C'est pas. Pour le moment. Pour le moment, tu n'es pas encore la série. C'est quoi la différence pour un producteur ou un scénariste ou voilà, entre le long métrage et la série? Le coup, le long, maintenant, la série est très difficile. Très difficile. C'est très difficile d'avoir les gens sous l'écran chaque jour. Intéressé pour regarder une film. Ah oui, ça demande que le contenu soit... C'est compliqué, c'est très complexe. Mais pour un long métrage, pour moi c'est facile parce que peut-être j'ai fait ça pour longtemps. Ouais, c'est ça. Mitouba, peut-être c'est facile parce que... Mitouba va te dire que non, long métrage, vraiment, lui aussi va te dire que non. Lui fait des séries depuis toujours. Toujours, oui, c'est ça. Mais pour moi, je pense que les séries sont très compliquées. C'est compliqué. On est là, bonsoir à vous, c'est comment? On est là. Oh là! Je lis, hein. Oh là! Je suis très contente, très grand acteur, du courage, tonton. Ma question est de savoir quels conseils pouvez-vous donner à la jeunesse qui veut se lancer dans le domaine. Bonne semaine. Il faut croire en toi. Et il faut beaucoup étudier. Hein. Parce qu'il y a tout sur YouTube. Ouais, tu peux partir sur YouTube, tu tapes seulement. Il y a des leçons là-bas que tu peux beaucoup apprendre. Et devant ton miroir aussi, tu peux beaucoup apprendre. Fais même les vidéos avec ton téléphone. Tu vas améliorer un jour et tu vas devenir grand actrice ou bien acteur. Et aussi, il faut beaucoup être passant. Ah, ouais, c'est beau ça. Il y a Jason Misson, c'est comment? On est là. Salut sur le plateau, je suis très ravie que vous ayez invité l'une des personnes qui continue à prouver au monde entier que le cinéma camerounais n'est pas ce que certains pensent. Ouais. Bravo monsieur, je vous admire tellement. Merci. Oh. Tu réalises le modèle que tu es en train de devenir pour beaucoup de personnes? Ah, non. Pas encore. Il ne réalise pas encore. Il est concentré sur son long métrage, Ganou. Voilà, donc il y a tellement de messages. Peut-être que tu liras après, hein, mon cher Kankintus. À l'instant, on va retrouver notre thème de ce soir. On a toujours un topic ici. Hein. Mmh. On a un topic et ça parle d'éducation. Okay. Hein, comme tu aimes les thèmes comme ça. Mais j'aimerais quand même souhaiter un joyeux anniversaire avant à Gabriel Simofosuo. Il a 5 ans. C'est le fils de notre monnaie. Nick Naoussi. Oh oui. Oh, happy birthday, Gabriel Simo. Happy birthday. Alors, le thème d'aujourd'hui, en tant que parent, comment rattraper l'éducation de son adolescent quand on a perdu tout autorité? L'enfant te dépasse.